quel rôle jouait l'EMCC International et l'EMCC France? Tout d'abord, l'EMCC International s'est progressivement déployé sur les 5 continents. Parmi les derniers en date, l'Amérique et l'Asie-Pacifique, notamment avec de nouvelles délégations telles que la Chine, la Thaïlande, l'Inde ou encore l'Australie, avec son nouveau président Akram Sabag, que je salue ici. Notre rôle est d'abord d'aider chaque adhérent à vivre pleinement de son métier, à faire rayonner une pratique professionnelle éthique et déontologique qui vise l'autonomie rapide de nos clients. Quand tu évoques l'autonomie rapide de clients, qu'est-ce que tu entends par là, Gabi? Les coachs ont une expression qu'ils apprécient beaucoup et qui marque l'identité de notre métier. Nous apprenons nos clients à se passer de nous. Un coaching, c'est entre 6 et 12 mois environ, pas plus, et sûrement pas sur 2 ou 3 ans. N'est-ce pas anti-commercial de viser une autonomie rapide? En quelque sorte, oui, mais nous ne sommes surtout pas là pour rendre nos clients dépendants de notre savoir. Cela indique que nous sommes d'abord centrés sur le développement de sa capacité à bâtir sa propre solution avant d'être force de proposition nous-mêmes. Une approche à la fois différente et très complémentaire de celle du consultant qui vise d'abord lui à apporter des réponses de contenu. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur ces subtilités essentielles qui nous différencient. Pourquoi est-ce si important? D'abord parce que dans un monde dit de plus en plus VUCA, comme disent les anglo-saxons, vulnérable, incertain, complexe et ambivalent, les collaborateurs, les décideurs et les organisations n'ont plus le temps nécessaire d'intégrer en permanence de nouvelles approches lourdes qui deviendront vite obsolètes et qui ne valorisent pas ce qu'ils peuvent déjà mettre en œuvre à partir de leurs propres compétences, expériences vécues. Le temps de notre monde hyperconnecté n'est plus celui de nos parents et se réduit drastiquement. Les oscillations, les chocs et les ruptures se multiplient, plateformes, banques et assurances en ligne font fleuresse. Le temps long, la contrainte, les apprentissages lourds deviennent contre-productifs, inopérants et privent le collaborateur de sa capacité à se responsabiliser, c'est-à-dire à avoir sa propre réponse « response able » comme disent les Anglais, son agilité et sa capacité d'agir. En quoi l'EMCC joue un rôle de garant et régulateur? En fait, en proposant un code de déontologie reconnu partout dans le monde et fait exceptionnel, déjà signé par 4 autres organisations internationales, et ce n'est qu'un début. En faisant connaître le métier de coach professionnel et son exigence auprès de tous les acteurs, entreprises, collectivités, administrations, associations et particuliers, d'être formés, certifiés, supervisés pour revisiter, confronter et enrichir sa pratique. En proposant des accréditations internationales de coach et de superviseur et des labellisations internationales de programme, nous faisons tout cela. Nos adhérents sont entièrement libres, et ça c'est un phénomène important, c'est un modèle assez unique en France, de pouvoir bâtir comme ils le sentent, leur parcours de professionnalisation. Pas d'obligation chez nous, sous un an ou deux ou autre. L'EMCC France et l'EMCC International défendent l'autorégulation de ces métiers en France et auprès de l'État, des partenaires sociaux, mais aussi en Europe, avec par exemple d'autres fédérations internationales comme l'ANSSI, l'Association for Coaching et l'ICF auprès de la communauté européenne, dans le cadre de la Charte européenne des métiers régulés. L'EMCC a de nombreuses autres actions, comme par exemple la responsabilité civile professionnelle, la protection juridique et sociale, la professionnalisation. Nous détaillerons tout ceci dans d'autres vidéos. Nous aurons aussi l'occasion d'évoquer nos valeurs et nos périmètres d'intervention.